Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech, j'espère que vous allez tous bien. Petite astuce, Android 11, peut-être aussi Android 10 et 9. Dans tous les cas, actuellement, vous êtes en train de voir ma télé sur votre écran. Et bien sûr, maintenant, vous êtes en train de voir ma trombine. Ok, aujourd'hui, petite astuce Android. Je vous avais présenté cette petite télécommande magique, la télécommande du Chromecast, le tout nouveau Chromecast Google TV. Avec son petit bouton magique qui lance donc notre fameux assistant. Regardez ici tout de suite, écoutez ça sur la télé. On n'a qu'à presser ce bouton qui lance notre assistant. Météo demain pour Paris. Il y aura des alertes. Assistant Google. La température maximale prévue sera de 11 degrés et la minimale de 3 degrés. Petite astuce sur cette télécommande. Si vous ne voulez pas entendre le talkback, le fameux talkback, les amis, le nouveau talkback Android 11, les amis, en appuyant sur flèche bas et le bouton de retour à l'accueil. Talkback désactivé. Talkback désactivé, on a maintenant le champ libre pour lancer différentes commandes. Par exemple, température demain à Lille. En ce moment à Lille, il fait 7 degrés avec un temps nuageux. Il y aura des averses aujourd'hui. La température maximale atteindra 9. Donc, cette télécommande, avec le Chromecast nouvelle génération, le Google Chromecast TV, va nous servir à caster 14h58, appareil déverrouillé. France TV. Va nous servir à caster notre téléphone sur notre télé. L'avantage pour faire ceci, c'est que si votre télé n'est pas connectée, si vous avez envie de partager vos vidéos en famille, vos photos, pourquoi pas d'ailleurs, on pourra caster, c'est-à-dire mettre l'écran de notre téléphone sur notre téléviseur. Et tout ça, encore une fois les amis, en toute accessibilité. Équipé de synthèse vocale, de talkback, aussi bien sur notre Google Chromecast TV, sur notre smartphone Android, on est équipé comme des chefs. Terminé l'assistance des voyants, terminé l'assistance d'une personne tierce, vive l'accessibilité sur la Team Vision, les amis. Donc on arrête les bêtises et on continue ce tuto. C'est parti, on continue. On va se diriger dans notre application Home. Car actuellement, bizarrement, dans la zone de notification, lorsqu'on la descend une première fois, 15h, Bluetooth activé, signal Wi-Fi bon, signal moyen, batterie 79%, vendredi. Sélectionne. Alors, à l'origine, on a, lorsqu'on descend la zone de notification, le panneau de contrôle où on a une option intitulée Smart View. Ceci, les amis, se passe, attention, sur un Samsung. Peut-être que vous, si vous avez un Xiaomi, un P30, un Huawei P30, un Huawei P40, tout autre smartphone sur Android, vous n'aurez pas peut-être cette fonction. Par contre, si vous êtes un féru d'Android, si vous avez Google, si vous avez le fameux Google Home, vous avez donc la fameuse application Home qu'on rencontre sur notre smartphone. Donc les amis, si vous avez ça, vous avez tout. On va pouvoir donc mettre notre téléphone sur notre télé et par exemple jouer à des jeux. D'ailleurs, je vous mettrai en surprise un petit jeu complètement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes sur cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez découvrir un jeu. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu. D'ailleurs, on fera une vidéo complète sur ce jeu. Donc maintenant, comment caster l'écran? On va demander simplement à notre Bixby d'ouvrir Home. Connecté en temps. Une fois que vous avez ouvert
Home, les amis, on va se diriger sur le Chromecast qui a été connecté à partir de votre application Home. Attention, certaines télés aujourd'hui sont déjà équipées de Chromecast, les dernières TV Samsung, LG, etc. Beaucoup en sont déjà équipées. D'autres, il va falloir ajouter une clé HDMI qui coûte une trentaine d'euros chez n'importe quel magasin informatique. Vous la connectez, c'est une clé HDMI. Donc pour connecter cette clé, attention, il faut que votre télé soit équipée minimum d'un port HDMI. Aujourd'hui, elles sont 3 à 4 ports HDMI. Ok ? Une fois ceci fait, les gens, on va pouvoir connecter notre téléphone à notre Chromecast et faire ce que l'on appelle du mirroring, du casting, du caster l'écran sur notre ajouter un appareil d'un service pour connecter en tant que test sur notre écran de télé. Ok, on se dirige tout de suite sur l'application Home et sur notre Chromecast. C'est parti. Home, ajouter un appareil d'un service, bouton en dehors de la page. Et dans Home, vous recherchez la salle, la pièce où vous avez positionné votre Chromecast. On le fait tout de suite. Ici, moi j'ai mis mon Chromecast dans la pièce salle télé 3 appareils, ligne 16. Salle télé. Mon appareil 12B158, état hors connexion, ligne 10 Chromecast, état inactif, colonne 2. Et j'ai ici l'icône Chromecast que je m'empresse d'ouvrir. Home, caster mon écran, bouton hors de la grille. Ici, comme vous venez tout de suite d'entendre, on avait Home, caster mon écran. Volume 100% et juste en dessous. Aucun contenu en cours de Chromecast. Option supplémentaire. Chrome, aucun volume à 100% tester mon écran. Bouton Home. Je valide ça. Caster contenu pour dupliquer appareil. La duplication d'écran vous permet de caster l'écran et l'audio de votre téléphone ou de votre tablette sur votre téléviseur ou vos enceintes. En savoir plus, vous caster l'écran. Bouton. C'est parti, c'est parti. Donc une fois que vous avez cliqué sur caster, ici on vous dit. Le service fournissant cette fonctionnalité aura accès à toutes les informations visibles sur votre écran ou depuis votre appareil lors d'un enregistrement d'une diffusion de contenu. Par exemple, vos mots de passe, vos données de paiement, vos photos, vos messages ou encore vos contenus audio lus. Annuler, commencer, bouton. Allez, on commence à caster. Diffusion de l'écran, connexion à Chrome. Voilà les amis, comment donc caster votre écran de téléphone sur votre téléviseur. Et ça, c'est vachement classe. Pourquoi c'est vachement classe ? Parce que regardez maintenant ce qui se passe. Aucun élément de type lien précédent. Microsoft. Et bien sûr, pour ceux qui voient, il y a l'image. Écran application, page 3 sur 7. Écran d'accueil. Rotation automatique. Rotation automatique activée. Petite rotation automatique. Écran d'accueil moins nuit. Microsoft. Message en dehors de la page. Internet. On va donc aller sur Internet. Internet, virgule 10 bleu, push-up, paysage. On peut donc mettre notre smartphone en mode paysage, comme vous voyez ici sur votre écran. Et si je l'ai, boum, 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 il y a la télé, le téléphone, la télé, le téléphone. On dirait presque que c'est la même chose. À part que la télé, on est quand même sur une grande dalle. Donc, imaginons. Portrait. Et si maintenant je vous parle d'un jeu qui est accessible aussi bien sur smartphone, iPhone, Android, ordinateur, Mac, du nom de T-R-E-F-D-D-R-R-A-A Covid-19 G-G-O-O B, E, N, I, I, Y, U, U, M, M, point com, point, point, B, N, N, R, T. Connaissez-vous, les amis, le jeu Dragonium.net, accessible sur toute plateforme,
Windows, Mac, iPhone, Android, tablette, smartphone, si vous connaissez. Je valide. Alia. Le clavier est masqué. Clavier masqué. Dragonium, jeu de rôle en ligne gratuit, paysage. Voilà donc dragonium.net. N'hésitez pas à aller voir ce jeu, il est extraordinaire. C'est un abonné qui m'en a parlé et je vous en présente son contenu. Dragonium, élément graphique, Dragonium. Français, lien. English, lien. Jeu de rôle et de stratégie multijoueur 2D par navigateur, gratuit, free to play, compatible avec tout navigateur et terminaux mobiles, et également accessible aux déficients visuels, titre 1. Accessible aux déficients visuels, les amis. Encore de l'accessibilité, dragonium.net. N'hésitez pas à aller vous inscrire, à jouer, à vous éclater la quiche, comme on dit chez nous. C'est franchement le top. Portrait. Je suis parti pour jouer, les amis. Dragonium, c'est parti, je m'équipe. J'ai ma casquette, j'ai mes lunettes. Je pars pour Dragonium. Alors, surtout, je compte sur vous pour le gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Pour vos commentaires, dites-moi si vous connaissez ce jeu, si vous connaissez la façon de comment caster votre téléphone sur votre télé. La Team Vision compte sur vous. Mettez des commentaires, c'est important. Likez, faites monter la Team Vision au plus haut qu'on peut faire monter sur YouTube. Je compte sur vous. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous et c'est bon pour la Team Vision. Dans un univers médiéval fantastique, rejoignez l'une des deux princesses qui s'affrontent pour dominer l'île de Dragonium, titre 2. Alignement de la population. Voilà donc les amis, n'hésitez pas à les tester, Dragonium. J'espère que cette vidéo sur comment caster et comment aller jouer sur un grand écran si vous êtes malvoyant grâce à votre smartphone. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la Team Vision. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à très vite pour une prochaine. Bisous à vous, prenez soin de vous et que la Team Vision soit avec vous les amis. Salut à tous. Yeah!